Salut à tous. Donc aujourd'hui, je reviens vous parler de bijoux puisque en fait, j'avais passé une commande il y a un petit moment en début d'année ou même fin d'année dernière sur le site gofavor.com. J'avais découvert sur la chaîne de Fadela et donc j'avais passé commande de deux colliers, je crois. Deux colliers et je les ai beaucoup portés dans les vidéos notamment, et à chaque fois vous me demandiez d'où est-ce qu'ils venaient, si je pouvais en faire une revue, etc. Donc j'en avais pas fait jusqu'à maintenant parce que j'avais pris que deux colliers, donc c'était pas super intéressant de faire une revue sur juste deux produits. Et en fait il se trouve que le site m'a contacté il y a quelques temps pour m'envoyer quelques produits que j'ai choisis moi-même, ainsi que vous proposer trois articles que j'ai choisis que je vais vous offrir en giveaway à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder en entier. Et donc je vais vous présenter du coup les bijoux que j'ai choisis et j'en suis donc super contente, et du coup ça va faire l'occasion de vous parler des colliers que j'avais achetés, de vous les montrer puisque vous étiez très intéressés apparemment. Donc sans plus tarder, je vais vous parler d'abord des colliers que j'avais achetés donc en début d'année je crois. Donc je les avais déjà vus et je les ai beaucoup portés, notamment celui-ci qui est, en fait c'est la copie conforme d'un collier de chez House of Harlow, qui est une marque, qui est la marque créée par Nicole Richie. Et ce collier à la base il vaut dans les 150$ je crois, et sur le site j'ai plus les prix en tête, je crois qu'il était aux alentours de 5$, et c'est la copie conforme, donc évidemment c'est du toc, hein, ça ne vous attendez pas à du plaqué ou autre, c'est du toc, donc ça peut changer de couleur. Moi le mien, depuis que je l'ai, il a juste changé de couleur un petit peu ici, et encore c'est très léger. Je fais attention, je ne mets pas de parfum dessus, je le mets vraiment une fois que je suis prête, en tout dernier. Donc voilà, mais franchement pour le prix il est super beau, je l'ai porté dans plein de mes vidéos, donc voilà, il y a celui-ci. Donc je vous mettrai tous les liens directs, comme ça vous n'aurez pas à chercher, je vous mettrai tous les liens directs de chaque collier sur la boutique. Ensuite j'avais acheté également ce collier là que j'adore et que j'avais également porté notamment avec So. Je me rappelle, c'était dans ma vidéo, ma routine de maquillage de tous les jours en fait. Donc en fait c'est des fleurs, et donc c'est un vieux doré quoi, une couleur un petit peu, j'adore ce genre de couleur, ça fait ni toc ni super bijou fantasy. Il est vraiment très joli, donc il a plein de petites fleurs et dessus il est très joli. Là j'ai reçu du site, donc je les ai choisis évidemment, donc c'est pour ça qu'ils me plaisent. J'ai choisi ce collier là, j'en voulais un depuis super longtemps comme ça, avec des pampilles en strass, et donc là j'ai craqué pour ce collier là. Donc il est assez court aussi, à peu près comme celui que j'ai, que je vais vous montrer, et c'est une couleur, un genre de doré rose, un petit peu bronze même, c'est pas complètement doré, donc vraiment très joli. Et celui-ci, même avec la plus simple des tenues, avec un top blanc, crème ou même noir, enfin vraiment la plus simple des tenues, ça vous habille vraiment toute la tenue et ça change tout je trouve. Et franchement celui-ci il fait vraiment son effet. Donc ensuite donc j'ai le collier que j'ai actuellement sur moi, que j'adore. Pareil, j'en voulais un comme ça, et ce qui est bien sur GoFavor, je vous en parlerai après, mais vous en avez pour tous les styles, pour tous les goûts, franchement il y a de tout, et c'est obligé que vous trouviez au moins un truc. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas cher, donc après c'est pas de la top qualité évidemment, faut pas s'attendre à une qualité de fou, c'est des bijoux fantasy avant tout, donc ils sont pas chers, et celui-ci je l'adore, il est avec plein de perles en fait, il est assez court. Et ça s'arrête juste là, donc pareil avec un top uni. Donc là moi j'ai mis avec ça aujourd'hui, donc bon il y a mieux. Mais franchement je trouve que ça va... J'ai rien d'autre dessus, j'ai pas d'autres bijoux à part une bague. Et ça suffit amplement. Et ensuite j'ai également reçu ce collier là, qui est également la copie conforme d'un collier de chez House of Harlow, qui est un sautoir avec un pendentif comme ça en étoile... noir et doré. Donc celui-ci, je crois que c'est de tous ceux que j'ai, c'est celui qui fait le plus toc, on va dire. Au niveau de la chaîne, on voit vraiment que, bon voilà, c'est du toc. Mais franchement, il fait largement son effet. Et moi j'en voulais un comme ça, je le trouvais juste super beau. J'adore les bijoux de la collection House of Harlow, mais c'est assez cher.
Donc c'est une super alternative et franchement c'est exactement les mêmes. Si vous allez sur Google, vous allez chercher les images, c'est les mêmes, mais exactement les mêmes pour beaucoup 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 moins cher. Donc là c'est pour tout pour les colliers et j'ai choisi également deux autres produits. Donc le premier c'est une bague. Donc c'est une bague qui est toute simple en fait, elle est vraiment toute fine, je vais vous l'enlever. Et en fait elle est avec des petites fleurs, donc il y a du blanc, du rose, du vert d'eau. Elle est comme ceci, elle est toute simple, franchement elle est vraiment toute simple, mais je trouve que c'est super mignon en fait. Voilà, moi j'aime de temps en temps, ça change plutôt que des grosses bagues et ça je trouve ça plutôt joli. Quand, comme aujourd'hui où j'ai un collier qui a mis la tenue, je préfère rester soft sur les bagues. Et j'ai également ces deux boucles d'oreilles qui sont comme ça. Donc là c'est ma déception de tout, c'est juste ma seule déception. Puisqu'en fait, je les voyais pas du tout comme ça, je les voyais pas aussi gros. Et de cette matière, en fait, c'est dur. Et je pensais que c'était... Je sais pas, je pensais que c'était une matière en tissu, en fait. C'est assez bizarre par rapport au site, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc voilà, je les trouve assez grands. Donc, vous voyez, si je les mets, ça fait ça. Donc c'est quand même assez grand. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus discret. Vous voyez, avec les deux comme ça... Je suis pas fan, mais bon, il y a pire et elles sont quand même mignonnes. La couleur est jolie, mais voilà, si je devais avoir une déception, ce serait celle-là. Voilà pour mes bijoux. Au niveau de la qualité, comme je vous l'ai dit, ça reste des bijoux fantasy. Au niveau des prix, c'est super abordable. Donc par contre, au niveau du site, donc c'est un site américain, c'est tout en anglais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez de tout. Vous avez des colliers, des bagues, des boucles, vous avez des accessoires pour les cheveux. Vous avez des bracelets, vous avez plein de choses. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, mettons, dans la rubrique collier, vous avez, tout est divisé par plusieurs sections selon le thème et le style, en fait, de collier. Donc, il y a les sautoirs, il y a les colliers un peu plus ras de cou, il y a les colliers un peu plus fantasy avec des, je sais pas, mettons, des hiboux, des chouettes, des trucs. Enfin, vraiment, il y en a... C'est assez bien organisé, je trouve. Ils ont... une variété de produits juste énorme, il y a énormément de trucs. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment vraiment pas cher. Je crois que le truc le plus cher doit être à 15$, donc franchement c'est vraiment vraiment pas cher du tout. Donc si vous cherchez des bijoux pour compléter votre garde-robe, pas cher, franchement je vous le conseille fortement. Pas seulement parce que j'ai reçu ça par le site, mais parce que moi j'avais déjà commandé, j'en étais déjà ravie. Et ce qui est bien notamment, c'est que la livraison est gratuite à partir de 15$ d'achat. Donc sachant qu'on y arrive relativement vite, si vous prenez plusieurs trucs, je trouve ça vachement bien. C'est hyper rare sur les sites. Donc ça permet de se faire plaisir sans se ruiner en fait. Donc je trouve ça plutôt cool. Et donc on va passer maintenant à la partie giveaway que vous attendiez. Donc en fait j'ai choisi 3 pièces. J'avais droit à 3 articles et donc je les ai choisis. J'espère que ça vous plaira. Donc par contre... je me suis pas lancée dans les bracelets ou les bagues parce que voilà, ça peut tailler différemment. Donc j'ai pas pris le risque, je suis restée dans les colliers. Donc le premier collier, c'est celui que je vous ai présenté. Donc c'est encore dans la poche. Le premier collier, c'est celui que je vous ai présenté qui est... Attendez, je vais y arriver. Qui est celui-ci. Voilà, que moi j'ai et que j'adore et je voulais à tout prix vous en faire profiter. Donc c'est le même. Sauf qu'il est neuf, voilà, il y a encore l'étiquette et tout, donc ça sera le premier collier à remporter. Le deuxième que je voulais prendre pour moi, mais il n'y avait plus, donc il est comme ceci. Moi vous savez, j'adore les colliers avec les fleurs, d'ailleurs vous l'avez vu, et là celui-ci il est super coloré, je vais le sortir pour vous le montrer parce qu'on ne voit pas très bien. Attendez. Il est avec des perles en fait sur le côté, et en fait il y a plusieurs fleurs de plusieurs couleurs. Donc il y a du vert d'eau, du crème, du orange et du jaune. Et en fait ce sont des fleurs différentes. Et pareil, sur un décolleté, sur un top hyper simple, je le trouve magnifique. Il est vraiment super joli. Il y a une petite fleur verte aussi. Et voilà, et franchement j'ai trop craqué en le voyant. Donc j'espère que ça vous plaira. Et dernier collier à remporter, forcément je ne peux pas ne pas le choisir, le collier imitation House of Harlow qui est comme ceci. Qui est inspiration un petit peu ethnique, bohème. C'est vraiment la marque de Nicole Richie. En beaucoup moins cher. Et franchement, il fait largement son effet. Moi, à chaque fois que je le porte, on me demande d'où il vient. Et pour le prix, s'il savait. Voilà. Donc, pour les règles,
rien de compliqué. Être abonné à ma chaîne, être abonné à la chaîne de gofavor.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos avec tout le récapitulatif. Être abonné à ma chaîne. Et puis voilà, par contre, le concours est ouvert donc à l'international cette fois-ci. Donc peu importe où vous habitez, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai. C'est moi qui me chargerai de l'expédition. Et puis voilà, c'est tout pour les règles. Je vous mettrai les dates de fermeture du concours, puisque là en tête j'ai pas trop regardé et j'ai plus de batterie dans la caméra, donc je dois me dépêcher. Mais j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Je trouve ça vraiment sympa de la part de GoFavor, ce petit geste. Franchement, tous ne le font pas et voilà, ils sont directement proposés. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, moi je vous dis, foncez les yeux fermés, encore une fois, pas parce que j'ai été contactée, vous le savez. Si vous voulez être vraiment sûr, je vous mettrai la vidéo de Fadela qui avait fait, donc Be One Inspired, qui avait fait une vidéo à ce sujet et pareil, qui avait fait un joli craquage sur GoFavor. Donc voilà, c'est vraiment un chouette site, sûr, j'ai pas eu de soucis. Et au niveau de la livraison, franchement ça peut varier. La première fois je l'avais reçu au bout de presque 2 semaines, parce qu'elle vient de Hong Kong je crois. Et là cette fois-ci je l'ai reçu au bout d'une semaine, Fadela l'avait reçu au bout d'une semaine. Donc voilà, franchement ça varie, mais ça arrive, c'est tout super bien emballé. Donc voilà, franchement aucun souci, ils sont vraiment très sympas. Donc bah, écoutez, voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à participer donc dans les commentaires en me disant, mettons, quel collier vous aimeriez le plus gagner sur les 3. Vous me dites lequel vous préférez. Donc soit l'imitation de Nicole Richie, soit le collier à fleurs doré, soit le collier à fleurs coloré. Voilà, donc si vous avez des doutes et que vous pensez que j'ai oublié des trucs, allez voir dans la barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et bonne chance pour le giveaway. Ciao.